Donc, je m'appelle Céline Verbroek, je suis avocate, je suis navarroise d'origine, mais je travaille à Bruxelles dans un cabinet d'avocats qualifié d'engagé et qui est donc spécialisé en droit des étrangers, droit de l'immigration en général et droit international privé. Alors, lorsque j'ai commencé mon stage d'avocat, j'ai été formée par Patricia Jaspi, qui avait assisté au début des années 90 à une sensibilisation de la part du GAMS et en particulier de Kadhafi Diallo, et qui avait été extrêmement touchée par une problématique qu'elle découvrait, et elle s'y est engagée comme personne ressource. Alors, quand je suis arrivée chez elle, et quand elle est devenue magistrate, elle m'a refilé le bébé, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai commencé également à aider, dans le cadre de leur procédure d'asile, des dizaines et des dizaines de femmes qui invoquaient en Belgique une demande de protection liée à une crainte d'excision au sens large. Alors, comme un peu tout le monde, je pense, je croyais savoir ce que recouvrait l'excision, et c'est parce que j'ai dû accompagner ces femmes qu'au contraire je me suis rendu compte de ce que je n'y connaissais rien. Et c'était d'autant plus frappant pour moi de faire ce constat que j'avais plusieurs fois voyagé en Afrique et que j'étais passée totalement à côté de la question, que j'avais minimisée, donc je n'avais pas perçu l'ampleur, les tenants, les aboutissants, les finesses, etc. Et je vous dis déjà que c'est quelque chose qu'au quotidien, en continuant maintenant depuis plusieurs années à m'intéresser de très près à ces problématiques, au plus je m'y intéresse, au plus je me rends compte que je n'y connais rien. Alors, le premier constat peut-être qui m'a le plus frappé, c'est de me rendre compte que l'excision n'était pas un acte isolé, n'était pas un acte fait une fois pour toutes, que c'était un acte qui s'inscrivait, comme l'a expliqué le docteur Caillet, sur la durée, avec des tas de complications, à très long terme et dans la vie de la femme, au niveau aussi de sa vie de couple, de sa vie sociale, etc. Et que ça s'inscrivait aussi dans son passé, dans tout un contexte discriminatoire. Et de comprendre ça, le contexte de cette pratique, m'a même remis en cause la façon dont je travaille maintenant avec l'ensemble des réfugiés. Quand une personne vient, qu'elle soit originaire de Tchétchénie, du Kosovo ou de Guinée, dorénavant, grâce à l'enseignement des mutilations génitales féminines, je lui demande de me raconter toute sa vie. Parce que c'est fort différent pour une femme d'être orpheline, d'être dans un village, d'avoir été mariée de force, éventuellement violée, ou bien d'avoir, au contraire, une enfance tout à fait normale, être excisée par son mari alors qu'elle était professeure d'université. Il y a toutes sortes, le contexte de vie d'une personne influence aussi son besoin de protection. Alors, avec le GAMS, on avait de plus en plus je pense que par le travail du GAMS qui a réussi à faire en sorte que de plus en plus de personnes, d'acteurs, y compris les acteurs d'asile, soient au courant de ce que représentait l'excision, on a eu aussi une plus grande prise en compte de ces problématiques par les autorités d'asile, avec pour conséquence que pendant 2 ans, au début des années, en 2006-2007, vers ces eaux-là, tous les dossiers d'excision, comme par hasard, ont été gelés. Pas de décision. Grand mystère. Les autorités d'asile réfléchissaient et ont mis 2 ans à réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces demandes. Puisque sensibilisées, comme moi, à la problématique, elles se sont bien rendues compte du fait que, ben oui, c'était pas un petit acte anodin, c'était pas un petit acte isolé. Ça s'assimile et ça représente une torture. Que donc, qui a des conséquences sur le droit à la santé, le droit à l'égalité, le droit à la vie d'une personne, et que dans ce cadre-là, si la Belgique respecte l'ensemble des conventions qu'elle a ratifiées et qui s'imposent à elle,
elle est obligée d'accorder le statut de réfugié aux personnes qui invoquent une crainte liée à ces pratiques. Problème, quand on connaît les taux de prévalence dans certains pays, vous vous rendez bien compte que les autorités d'asile se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver avec des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui vont invoquer ces craintes. » C'est là qu'on a fait tout un travail pour dire « La politique d'asile, le respect des droits fondamentaux des gens, ce n'est pas une question de gestion de stock. C'est une question de respect des droits fondamentaux des gens. C'est une question d'un besoin de protection internationale. Et on ne peut pas réduire les droits au prétexte qu'il pourrait y avoir des abus. On ne nie pas, bien évidemment. Alors c'est là qu'on a mis en place, et c'est dans ce contexte-là, que plusieurs initiatives sont nées. D'abord, il y a un développement quand même, et notamment le GAMS qui le fait, c'est tout le contexte de coopération. On sait qu'on doit agir dans les pays d'origine pour diminuer la problématique là-bas. Et il y a énormément de choses qui se font, et il ne faut jamais oublier que toutes les initiatives, et les plus grandes initiatives, sont originaires des pays les plus concernés. Et qu'on observe le plus souvent une diminution des pratiques dans les pays, alors qu'on peut s'interroger parfois sur le fait que chez nous, on peut se demander dans quelle mesure il n'y aurait pas une certaine recrudescence des pratiques pour d'autres motifs, j'y reviendrai. C'est dans ce contexte aussi que les autorités d'asile ont du coup mis en place une procédure de contrôle. Elles ont dit, ben écoute, si on accorde la protection à une personne qui invoque une crainte d'excision sur une fillette, on va lui demander de soumettre sa fillette à, après l'octroi des statuts de réfugié pour les parents, les gens qui ont la garde de l'enfant et de l'enfant, on va soumettre l'enfant à un contrôle médical annuel de l'intégrité des organes génitaux de la petite fille. Alors ça heurte la juriste que je suis, parce que à première vue, c'est une politique discriminatoire, puisque pourquoi est-ce qu'on va contrôler précisément les réfugiés reconnus sur base d'une excision et qu'on ne fait pas des contrôles similaires pour les autres types de réfugiés qui peuvent aussi, au fil du temps, ne plus avoir de crainte? Ce à quoi les autorités d'asile répondent, oui, mais on parle de l'intérêt supérieur d'un enfant et moi j'ai un rôle par rapport. Quand même quelque chose qui donne à réfléchir. Alors là, moi, de nouveau, je suis heurtée et je me dis, mais est-ce que c'est le rôle des autorités d'asile de commencer à contrôler? Est-ce que les autorités d'asile ne sont pas là pour protéger? Alors certes, les contrôles est une forme de protection, mais c'est quand même une protection sous forme de faire agiter le bâton. Et c'est parce qu'on voit bien qu'il faut des contrôles par les organes appropriés. Et je continue à penser que ce n'est pas les autorités d'asile qui doivent faire l'agent de police. C'est dans ce cadre-là qu'il y a toute une réflexion qui est menée depuis longtemps avec des initiatives parlementaires notamment. Il y a une proposition de Madame Drian, par exemple, qui est vraiment très intéressante, qui parle de cette prise de conscience qu'il faut organiser dans la société des formes de détection ou des formes de contrôle adaptées à la problématique qui nous concerne pour éviter de croire la bouche en cœur que parce que les gens arrivent ici et ont demandé une forme de protection, que la pratique ne se produirait pas chez nous. Je suis la première à croire, sans vouloir être alarmiste, que quand on sait d'où viennent ces pratiques, quand on sait que ce sont des traditions extrêmement bien ancrées, on a peine à penser qu'elles vont s'arrêter du simple fait de la migration. Et je veux aussi même plus loin, c'est que même une personne de bonne foi, qui ne veut pas mutiler sa fille, peut être amenée à subir une pression de l'entourage, de la communauté, de la famille tellement forte qu'il est difficile d'y résister, ou peut-être même en Belgique, dans l'impossibilité de vraiment protéger la personne, ou peut-être amener au cours de sa vie
à changer d'avis à l'approche d'un événement familial important tel le mariage de la fille, etc. Donc, dans tout ce contexte, et aussi parce qu'il commençait à y avoir des craintes de ce que la problématique nous concerne, ici en Belgique, je vous dis, vu le caractère de tradition bien ancré, mais aussi parce que des études ont révélé que les médecins recevaient en Belgique, en Wallonie et en Flandre des demandes de mutilation, deuxième élément, mais aussi parce que, comme je vous le disais, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient reconnues sur base d'une crainte d'excision, tous ces facteurs ont donné à penser qu'il fallait commencer à s'intéresser à l'aspect aussi répressif et préventif. Et c'est dans ce contexte que Kadiatou, Diallo, Dugan disait, mais moi, avec mon association, et il y a d'autres associations qui font le même travail en Belgique, nous faisons de la prévention. Nous sensibilisons les communautés concernées. Nous ne pouvons quand même pas être des agents qui faisons éventuellement des dénonciations, des signalements, qui faisons des interventions, qui introduiraient une action en justice. Et c'est dans ce contexte qu'on a créé, avec des médecins, des professeurs d'université, des juristes, on a créé une ASBL qui s'appelle l'ASBL Intact, dont je ne suis maintenant que la présidente du conseil d'administration, mais qui a trois juristes qui travaillent en son sein, et qui a décidé de prendre à bras le corps cette problématique et à réfléchir avec tous les organes concernés en Belgique, toutes les institutions et toutes les associations, donc tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, à réfléchir aussi à côté de la prévention et à réfléchir aux nécessités de la prévention, aux nécessités plutôt des contrôles et éventuellement de répression, d'action des organes judiciaires qui le font. Et donc on fait au préalable tout un travail d'étude des possibilités. Alors, les possibilités existent bien avant nous, puisque différents parlementaires bien engagés ont adopté en 2000 une disposition dans le code pénal, qui est l'article 409, qui réprime spécifiquement les mutilations génitales féminines. Donc on vise que les organes féminins, on a comme ça évacué la question de la circoncision masculine. On n'avait pas besoin en réalité d'une loi spécifique pour traiter de la question de l'excision, dans la mesure où l'excision, c'est avant tout des coups et blessures volontaires qui entraînent une mutilation et donc qui sont déjà appréhendés par nos dispositions pénales de droit commun, comme on l'appelle. C'est si vrai que, par exemple, en France, vous avez eu, depuis les années 70 et jusqu'aux années 2000, mais depuis plus beaucoup, une quarantaine de procès sur base du droit commun. Ceci étant dit, en France, à chaque procès d'exciseuse agissant sur le territoire français, à chaque procès, on brandissait la question du relativisme culturel. C'est dans sa culture. Cette question-là, par l'adoption en Belgique d'une disposition spécifique, est évacuée. La loi dit, interdit, c'est interdit. La question du relativisme culturel n'intervient pas au stade de la détermination d'une infraction. Par contre, bien entendu, la question de « c'est dans ma culture où je n'étais pas informée, où j'ai fait l'objet de pressions familiales, où je n'ai pas pu résister, où vraiment j'ignorais tout ça », ça intervient dans un deuxième temps au niveau de l'élaboration d'une peine, de la détermination de la peine. Et donc ça a quand même son intérêt politique et que la Belgique ait décidé de dire « l'excision, c'est interdit ». Et j'aime à rappeler toujours que cette interdiction, qui l'a demandée, ce sont les personnes africaines ou issues des pays les plus concernés qui nous